C'est le chaos. Laurent Boudouani va être champion du monde WBA, les super welter, c'est pratiquement fait. Bonjour à tous et bienvenue. Laurent Boudouani, sûrement le boxeur français le plus doué de sa génération, est né le 29 décembre 1966 à Salon. Il est un boxeur originaire des pays de Savoie et il fut champion du monde WBA des super welter. Laurent Boudouani est formé au Mont Blanc Boxe de Salon. Il a été un des représentants importants de la boxe en France. Aisance technique, vitesse d'exécution et punch. Il a été vice-champion olympique des poids welter à Séoul en s'inclinant en finale contre le Kenyan Robert Bangila après avoir battu en demi-finale 4-1 l'américain Kenneth Gould. Son palmarès chez les professionnels est de 38 victoires dont 32 par KO, seulement 3 défaites et 1 match nul. Il a notamment battu Guillermo Jones, Terry Norris, Carl Daniel, Javier Castillo et Julio César Vázquez, dont on reparlera plus tard. Il est actuellement le dernier boxeur de nationalité française à avoir réussi à défendre son titre mondial aux États-Unis. En effet, il s'y est imposé au point face au boxeur américain Carl Daniel à Las Vegas le 29 mars 1997. Le jeune Laurent Boudouani est tombé amoureux de la boxe pour la première fois à l'âge de 9 ans. Il a dit à The Ring dans une interview en 2021, pendant les Jeux Olympiques de Montréal en 1976, j'ai vu Sugar Ray Leonard, j'ai adoré ça. En regardant son gun game, j'étais attiré par ses chaussures et voulait tout et adorait la boxe. Son père l'a amené au Mont Blanc Box Club à Salange et le développement a commencé. Ses expériences parmi d'autres ont contribué à façonner Boudouani et il a culminé à temps pour les Jeux Olympiques de Séoul en 1988. Cette fois, le Français a pris sa revanche sur l'ancien ennemi juré Gould en demi-finale. C'était l'apothéose, a-t-il dit fièrement de son expérience olympique. Des moments inoubliables gravés dans ma tête, j'ai perdu en finale contre Robert Vangila. Boudouani a quitté la scène amateur avec un record de 92-6 et est devenu professionnel avec un KO de routine au premier round contre Gamel Zegadi en avril 1989. Il y a 27 ans, jour pour jour, le 21 août 1996. Il voulait être champion d'Europe, Laurent Boudouani l'a été. Il rêvait ensuite d'une ceinture mondiale, celle-ci est finalement arrivée. Retour sur son combat pour le titre de champion du monde WBA des Super Welter. Entre haut et bas, la carrière de Laurent Boudouani n'a pas été des plus simples. Malgré des débuts prometteurs, le boxeur français peine à rejoindre des sommets jusqu'à son titre de champion d'Europe en 1992. Défendu l'année suivante, ce sac continental est finalement cédé en 1994, puis récupéré un an plus tard. Mais en ce 21 août 1996, c'est une ceinture mondiale qui se joue contre Julio César Vázquez, champion du monde en titre. Laurent Boudouani esquive parfaitement, trouve les ouvertures et lance les points. Le vice-champion aussi. Mais à la cinquième reprise, un violent uppercut du Français trouve le menton de Vázquez qui tombe au sol. Il tente de se relever, Boudouani en remet une couche, l'arbitre annonce le chaos. En 59 combats pour l'Argentin, c'est seulement sa troisième défaite, la première avant la limite. Il faut savoir que c'est Julio César Vázquez lui-même qui a passé la ceinture mondiale autour du ventre de Laurent Boudouani. En février 2000, Laurent Boudouani annonce sa retraite. Il envisageait de rencontrer Mamadou Thiam pour le titre européen, mais il a finalement renoncé. Boudouani aujourd'hui a 57 ans, a 4 enfants, il vit toujours à Salon. Il a acheté une brasserie et l'a exploité pendant 13 ans avant de la revendre. Il travaille maintenant dans une entreprise de sécurité. Merci à tous d'avoir suivi la vidéo. Comme d'habitude, si la vidéo vous plaît ou pas, on ne peut pas plaire à tout le monde. Je vais vous demander le petit like et le commentaire qui va avec, ainsi que l'abonnement si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous, de vos proches, passez une excellente semaine et vive la boxe.